Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Muhima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dont les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe, Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et quatre mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec, pour thème, l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique, Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles, Fatshi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Boniemé et Kofolucien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Merci beaucoup, Baïmbo Kanyoso, Oyo Bolanda Kabiso, partout dans le monde entier, et voire même dans la capitale, dans l'intérieur, Yam Katia Mbo Kanabiso, et les Bakou Malamoulisus, Koutani Lelo, na Katia Basango ya Congo, bah, opé déjà Balanda Kabiso, na ba chaîne Moussousou Baïbi, merci beaucoup, Lelo Pé, na Zali Lelo, ah, na Katia Basango ya Congo, na Kontika Kayako servir, Bino Yako Sale, la Bino Moussala, ou Banda Pé Kolananga, na Katia Basango ya Congo, bah, topé Bazaja Bazaba Boné, na Kati, donc merci beaucoup Baïmbo Kanyon sur le lot au solo la nabino. Bah oh déjà Baïbi, je suis le procureur général près le peuple de l'UDPS et la personne qui défend les valeurs, la philosophie, la doctrine. Pourquoi? Parce que chez nous à l'UDPS on ne défend pas les individus, on défend les gestions. Pourquoi? Parce que les hommes passent, les institutions restent. Et ce n'est pas ce qui se passe dans notre parti politique là-bas. On défend que des individus et yango wana bomoni oh et ça la différence entre UDPS na ba parti mususu oh ça ba parti oh il y a ba poste, il y a ba dispatching et ba partout et créama qui pour na ko départager ba poste ya kati ya mboka. Donc merci beaucoup mbote pe déjà ma kasi na batu nyoso oyo ba soutenir na kabiso financement, moralement, physiquement, to pe simote na mama Jackie Makese Mponi na kati ya Colombe, sans oublier mama Jeanne na kati ya Belgique. Donc merci beaucoup toko solo la lelo par rapport ya déplacement, il y a sénateur à vie, il y a déjà dans la carte intérieure, il y a déjà qui déjà quitté le lobby dans le Lubumbashi, il y a un contenu, il y a voyage. Pourquoi? Parce que dans le moment où nous sommes en train de parler, biso y a carte en boca, il y a une carte qui couvre-feu par rapport au caca. Il y a un dénigre qui est en boca, c'est un qui va inspecter général de la police pour couper cela. Il y a un fonds qui est par rapport à la gestion de la COVID-19, il y a une carte en boca. Mais je suis politique, je sais ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi au courant. Il y a Makambo Bele au Salema, au Désir au Bonga, au Salema, au déjà battu à Bainemi à Congo, bateau Balingarateke, Baimbo Kabazana via Bia, Baimbo Kabazana Kimia, bateau Bamesana à chaque fois que Makile à ba peuple congolais, Baimbo Kaetanaka. Et Yango Moni Mokonzambo Kazoki, bat des hommes sous au moment où nous sommes en train de parler, nous tous en a Katia couvre fait. Et le loto solo la mingi, la Rotali Sabino va contenir à voyager à sénateur à vie. Donc, quand on a qui sénateur avait quitté qui lui lobby dans Katia Lubumbashi. Mais nous disons ceci. Kabila est allé à l'intérieur
pour chercher les appuis à la société minière afin de déstabiliser la institution nationale ya Katamboka. Nous sommes au courant de ça. C'est pour cela tozo mettre en garde na bemisono tozo leka le gouverneur Jacques Kiabula, Richard Mouège, Gédéon Kyungu, John Numbi, Félix Kabange Numbi et puis son frère Zoé Kabila. Nous sommes au courant. Il y a ma cambounion, c'est pour cela que vous avez vu. Le ministre de l'Intérieur avait interpellé le ministre, en fait, le gouverneur Mouège, et puis Jacques Kaboula, il y a la capitale, pour se justifier. Pourquoi? Parce que dans le moment où il y a la route nationale numéro 39, il y a Fungurume, il y a un barrage, il y a un exploité chinois, pour contrôler la société minière, nous sommes au courant de ça. C'est pour cela que vous avez vu quand. Le sénateur a vu, tant qu'on a quitté la colonie, on a vu le drapeau séparatiste à Katanga. Oyo batuba yaki nango mukola discours na ye la kisi déjà signé mais pourquoi parce que batuba koza na maîtrise ya histoire ya mboka na biso ba ko comprendre que tangu chombe na niveau kaka ya Katanga kitaki biloko bolinga ke sana pourquoi parce que sengaki apu ya ba armée étrangère c'est ce que Kabila allait faire pourquoi parce que Kabila pense que au moment nous sommes en train de parler ba général Moussou soit aucun c'est que bazaka ka pouye non l'armée est républicaine l'armée et ça le colo na lingala et on a coupé la maman de papa. Au moment où nous sommes en train de parler, tous nos militaires, toutes les forces, et le service de sécurité, et nos officiers supérieurs, il y a la police nationale congolaise, va retirer loyauté et fidélité auprès du chef de l'État. Ils vont respecter leur serment sous les drapeaux. Donc, c'est ça un président de la République. Donc, merci beaucoup, Namokonzambo. Kabila, lobby na Lubumbashi, Kabila, na Katia Lubumbashi, Imboka. Avant que tout le monde ait été dans Lubumbashi, vous tous, vous avez vu comment est-ce qu'on avait arrêté. Mituka oya ki na ba bagage tango ba fuyer bagage pa ba service ya sécurité ba kouti ba armes sophistiquées ba pistolets dorés les avions de drone et puis quelques matériels communicationnels de guerre donc merci beaucoup na service ya sécurité oyo za ko sala musala na ngoma kasi oyo za ko bunda pourquoi parce que les institutions oya lelo za sous présidentialisé ngenge bande ko sala malui parce que hier on avait cabilisé toutes les institutions du pays on avait présidentialisé les institutions du pays les institutions étaient redevables à un individu au détriment de 80 millions d'habitants mais lelo oyo za na moi na ya sphinx Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo à la tête du pays au sommet de l'état oyo zo mona il y a des avancées démocratiques il y a des avancées sous tous les contextes sur tout le secteur il y a Katia Mboka na biso yango moni sénateur a vitan wa kitina Lubumbashi lobi tozo mettre en garde d'abord ba propos ya malumalu donc en fait ngoyu mulunda donc tu dois savoir que on sait ce que tu as fait en 2011 pour avoir détourné la victoire de Tshisekedi de Wamulumba. Donc aboka ni sate que non et nous allons oublier pourquoi parce que la responsabilité kaka ndenge na lobaka ba responsabilité kozala établi ba kanga ki ba bagage sénateur ya vie ba kuta ki ba biloko nyonso wana pourquoi parce que abandaki déjà ko bongsa lui le croit qu'il va mettre il va mettre le fait dans le pays ozomiko ça pourquoi nazolo babongo la personne qui peut mettre le feu dans le pays la personne ou akoko déstabiliser ba institution nationale ya mboka une fois ça dans la popularité c'est pour cela que vous avez vu le FCC bazana crainte ya ko kené na opposition pourquoi parce qu'ils sont impopulaires. Comment est-ce que vous avez une opposition dans la marche dans la population? Est-ce que vous pensez que des gens comme les Chadek peuvent descendre aujourd'hui dans la rue pour faire l'opposition? Na mainyoso basa la population tango bazala ko sommet de l'état na ko boma na ko emprisonner na ko kenta bato exil na ko tumba ba combattant na ba siège tout console na ko déshabiller ba évêque parce que l'histoire retrenda que non il y avait un président un ancien président en régime oye salaka boye salaka boye donc c'est ça yango monita nga kitina na Lubumbashi Kabila et Azana sous surveillance nationale et internationale. Il est surveillé dans le sécurité, service de sécurité. Nyonso. Tu dois rien faire. Pourquoi? Parce que voire même, déjà, bah, fou oyo, bah, projecta qui n'amboka. Nous sommes au courant, il y a un avion, Wander. Il y a Rwanda oye kitaki kote saki déjà quelques infiltrés dans Mboka. Nous sommes au courant batu nyonso wana ils sont aux arrêts. Pourquoi? Parce que le président est le mieux informé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il contrôle l'armée, la police et tous les services de sécurité. Toko braqué batu an, toko tchabango maboko et ma pinga ya Mboka na biso. Oye lolo la police na biso ezu valeur. Armée na biso redoré. Image nango na monde, na Afrique, partout. Oye zala ki kalobite parce que hier
Hier, on instrumentalisait l'armée, la police. Et c'est pour cela que quand vous avez vu ces gens-là quittent le pouvoir, maintenant le système de Géwana, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que l'UDPS a prôné l'état des droits, l'UDPS a prôné la non-violence, l'UDPS a prôné que le jour où nous allons au pouvoir, il faut ma camion se zone en rail, il faut moutoumouta se zone en droit, il faut la police, l'armée et zone républicaine. Pourquoi? Parce que va respecter serment là-bas sous les drapeaux et puis baza émanation de la population congolaise au Tozali. Donc, à bientôt Kabila Kozala exilé na Kibato na Rissi. Je sais ce que j'ai dit. Je suis le communicateur d'investigation et naza moko obo pesa confiance. Pourquoi? Parce que bisotan to le karalibosu ya ba caméra na bino et to yakate pona ko sala ba aventure to yakate pona ko s'amuser. Pourquoi? Parce que la politique, la politique, c'est le choc de l'idée. La politique, c'est un monde où tant faut maîtriser. Parce que nous sommes suivis partout dans le monde entier. À bientôt, Kabila serait en exil. Kabila kozana kibato na Russie. Parce que le lot au samedi, na moment où tous les ambassadeurs plénipotentiaires et puis extraordinaires des États-Unis d'Amérique, basa déjà na kata Lubumbashi. Donc, merci beaucoup. Et la diplomatie agissante, via Mokondi Yambo. Et pourquoi? Parce que notre élection qui a fait la scène de la RDC sur la scène, qui a fait le retour de la RDC sur la scène internationale. C'est pour cela que vous avez vu dans le récent discours, il y a le président de la République, Kaloba Kikena, et avec la diplomatie agissante, il y a en 2021, la RDC doit assumer le poste de l'Union africaine. Le nom de Zamboka Kitaki en Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg, face à face à Ramaphosa, pour nous préparer déjà président sur l'Union africaine. C'est pour la première fois en Afrique. Au Congo, qui est un président cime le poste, il y a l'Union africaine, c'est ça le président de la République, c'est ça la grandeur du président Fatou, c'est ça la grandeur. Il y a président de Baïbelaka, mon il y a président, un président, ou à la taille Yamboka Naye. Merci beaucoup. Baïmboka, Nyon Sobo Bangate, Lissou, Likola, Lissou. Nous sommes au courant, nous allons traquer tous ces infiltrés-là parce que avion rwandais, côté qui sait qui déjà, ben infiltré Moussou sur la carte Yamboka. Rien ne va nous échapper. Pourquoi? Parce que Bissou Notosa, au sommet de l'État, c'est nous qui engageons l'État actuellement. C'est nous qui sommes, Tosa Nako. Le commandement suprême, il y a armée, il y a Katiambo Kanabiso. Donc, bientôt, bah, Kitaki déjà, bah, ambassadeur plénipotentiaire, bah, Kitaki Namboka, il y a na, province Nabiso, il y a Okatanga précisément na Katia Lubumbashi. Pour na kokuta na sénateur Aviko Yebi, c'est que tu dois quitter le pays. L'histoire s'est répétée à l'époque, il y a Maréchal Mobutu. À l'époque, il y a Maréchal Mobutu, na bato ba koza na histoire ya mboka na biso, boko comprendre que ba quitter la kaye pepo na koyebi sinon tu dois quitter le pouvoir et puis aller en exil. Nous allons te protéger et puis nous allons assurer ta protection physique. C'est ce qui s'est répété aujourd'hui avec Kabila ba kitaki déjà baza na kata Lubumbashi. La délégation a été conduite par Mike Amer, l'ambassadeur plénipotentiaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords entre nous et, la, et les États-Unis, mais ce n'est pas des accords individuels, ce sont les accords entre les administrations et les administrations. C'est pour cela que tu m'as dit que Trump peut quitter le pouvoir ou soit tu peux rester au pouvoir, mais la RDC a fait l'accord avec l'administration américaine et non les individus. Donc l'accord militaire, l'accord économique est pour la lutte contre la corruption tout consort. Bah, quitter le pouvoir, c'est moi la main, tu dois quitter le pouvoir. Je sais ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que déjà, bon, mon équipe ex, moi, si, na, maman Olive, elles ont acquis déjà, boy, lobby, na, katia, mboka, zala, ki, na, mboka, ya, goma. To, moni, biso, nyo, so, ba, imboka. Donc, bon, pèse, biso, confesse, to, moni, biso, nyo, so, oye, le, ki, na, na, Bukavu, na, procès, ya, militaire, oye, bon, ma, ki, moutoukuna, na, katia, ya, concession, ya, ex-président. On a cité, si, follement, non, de maman Olive Lembe. C'est elle qui était au courant, qui donnait des mots d'ordre qu'on puisse tuer la, la population là-bas. Il y a un moment qui est parti civil, Bengaki, comparution, il y a ex-président de la République, ex-première dame, ils sont citoyennes congolaises. Nul n'est au-dessus de la loi, nous sommes dans un état de droit, et puis ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Que non, les gens ne peuvent pas répondre à la justice. Aujourd'hui, tout le monde est redevable à la justice. Il faut pas passer à la barre na Bukavu. Donc, quand on sera déjà sénateur à Vindengo, aux Anakata province, tu profites de l'occasion de passer là-bas, à la barre, et puis on s'est justifié. Parce que le nom,
de ta femme est cité là-bas, six fois. Il y a des vidéos. Oh, et l'équipe dans les médias, et l'équipe partout. Ce n'est pas nous. Ce sont des choses palpables, bien fouillées. Donc, merci. Nous avons combattu pour ça dans ce pays. Hier, il n'y avait pas de ministre qui était interpellé à la justice. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a vu le coordonnateur de l'agence. Il y a lutte contre la corruption. Oh, c'est ce qui est attaché à la présidence. Aza, la détention préventive. Donc, Félix a été clair, le président de la République, dans le discours, comme chef d'État, il avait dit, attends aux amours, tu dois passer à la justice, tu dois passer à la barre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gérer un pays, oh non, c'est mon frère, oh, c'est mon ami, non. C'est pour ça que vous avez vu Vital Kamerhe et aux arrêts. Si tu te justifies, tu n'as pas volé, automatiquement, on va te libérer. Donc, c'est ça, il y a bientôt la Kabila Kozala en exil, parce qu'on est maintenant tenté de lui proposer soit le Kiba ou soit la Russie. Donc c'est ça, il est allé maintenant là-bas à l'intérieur plutôt, pour avoir le soutien à la société minière, en fait, pour déstabiliser l'institution. Tout ça qui n'a pas beaucoup, Chadel nous avait dit que non, ceux qui vont mettre qu'on pense à la coalition, ils vont mettre l'accord. Mais jusqu'à preuve de contraire, l'accord n'a pas été maté. Tout ça qui n'a pas beaucoup, Chadel a dit que non, ceux qui... ministre Longwe, ex-ministre de la justice, papa, tu es un papa immature, inconscient, à ton âge, en train de dire que j'avais appelé Yemé. Mais il a quitté le gouvernement. Ton moni place Chadar a déstabilisé mon côté. C'est dans le même pays. Oh, ton moni bureau et assemblée nationale, la Janine Mabunde Kouéi. Kabila toujours dans ce pays. On n'a pas déstabilisé le pays. C'est dans ce même pays, ton moni Henri Magie aux arrêts. On n'a pas déstabilisé le pays. On a arrêté des gens ici dans ce pays. Papa, je vous dis, on ne peut pas jouer avec la personne des présidents de la République. C'est le président, c'est le garant, c'est le magistrat, et c'est le garant de l'indépendance. C'est lui qui joue arbitrage, il est le commandant suprême. Donc, le président de la République a tous les pouvoirs. Et peut s'amener dans la constitution de Mboka. Parce que cette constitution a été taillée sur mesure. Maintenant, c'est ça la crainte. Il y a une coalition et Koufa. Il y a un moment qui présente un discours il y a 6 minutes. Alors, aucun accord politique, voire même sanati, peut primer mes prérogatives constitutionnelles. Parce que cette constitution est peut-être présente pouvoir en Yonso. Mais il y a des professeurs dans ces pays qui nous disent que nous sommes dans un régime primo-ministériel. Donc, ce malheureux à ces professeurs, pourquoi? Parce que ce sont des professeurs qui ont failli au mission à l'université à Congo en Afrique. C'est pour ça que vous voyez, voire même à l'université, ils ont classé en Afrique. On dit à professeur, le cas de Evariste Bouchab. Donc, l'université de Kingakati est ici que la pédagogie, la déperdition scolaire. Donc, il y a vide, il n'y a rien à l'intérieur. Mboula ya Kolongwa. Mboula ya Kolongwa, ba tu balongwe, ba imboka. Donc, beaucoup comprendre que non, le président était clair. Il avait accepté des humiliations avec tous les efforts qu'il a constatés. Mais la croissance n'a pas pu marcher. Parce qu'il y avait d'autres gens qui m'ont dit à Néhémie dans ce pays que non, je disais toujours à Néhémie. Oti kakope sa ba mot d'ordre na ba mabunda na ba tamu mwamba na ba premier ministre pour ba bloquer ba toi chef de l'état, tu dois payer le pot cassé. Vous pensez que vous bloquez le président de la République, hein? Vous étiez en train de bloquer la population congolaise, 80 millions d'habitants, parce que président Aza émanation na biso, président Aza serviteur na biso, biso mto tinde ona au retour pour servir biso. Et maintenant le président de la République aya kana vision pour ezala ka matérialiser na gouvernement. Donc batu nyoso Kabila nde cadeau est bientôt fêter na ngona mboko. Kabila bientôt est aux arrêts. On a connu des présidents plus forts que Kabila dans ces pays. L'homme de Kaoule Maréchal Mobutu, 32 ans de pouvoir, mais aujourd'hui Maréchal, tout le monde Maréchal a quitté Mbokoya. Donc tout le monde a rendu Maréchal a quitté Mboko tant au Mouza Koti. Mais alors, à l'époque, Babane Koban armé Nabiso, notre armée était plus forte, voire même en Afrique au monde. Maréchal Mobutu, Babane Kosa, la paix, voire même le président Belé en Afrique. Mais tout le monde est au Maréchal, il est au. Donc vous allez comprendre, les bahis français, les balobara. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Aujourd'hui, on a déchu le bureau de l'Assemblée nationale. Tout le monde va passer à l'autre côté. Va tout battre en sécurité, va déstabiliser le pays. Va pelir ses mototins. Ce sont les avancées de Boko Messana. Quand on dit Boko Messana, vous avez fait 18 ans payer pour saler l'autre côté. Maintenant, pour laisser que le président de la République a avancé, le président de la République a servi la population. Vous voulez maintenant éternuer son image et puis l'image de son parti pour ça la sonner à papa. Parce que son père, le sphinx de l'humanité, a se sacrifié pour la population congolaise. Si c'était pour avoir le pouvoir,
au détriment des 80 millions d'habitants. Et tant que c'est que nous avons parce qu'on a dérobé notre victoire en 2011. Vous allez répondre à vos actes. Kabila est sous la sécurité nationale qu'internationale. Il est mieux sécurisé. Et il est sécurisé. Et Bazolandelaye. Par rapport à Abino Somabia Koko Sala, rien ne peut échapper. Détrompez-vous beaucoup. Sala est l'autre côté. Parce qu'on a rompu la coalition depuis longtemps. Aujourd'hui, on avait bloqué en avant le voyage à présent et à ex-président Kabila. Bah bloqué qui ont récemment tout le monde est que le Kobo Sala quitté. On a destitué les bureaux, tout le monde est le Kobo Sala quitté. Et puis le même destitué les bureaux de l'Assemblée nationale. Tous ces gens ont procédé on est aucun des tina bureau à Sénat parce que d'abord ta Moumamba a fait la honte y a cause à la président Yanima y a Sénat. Tu es bien pour ta Moumamba n'a pas quoi bah il manque un autre pour comprendre que non ta Moumamba le bas n'a pas quoi tant ou crash. Il a vu ça à niveau intérieur, le que dans quelques heures, je serai le président de la République. C'est déjà un coup d'état manqué, hein? Un coup d'état raté plutôt. Donc, Tambo Mamba a coufois à la interpeller, à entendre la justice. Maintenant, qui m'a dit dans l'institution pour la couvrir dans l'immunité parlementaire. Car en dengue, il sera vital quand même beaucoup échappé. Beaucoup échappé, la coalition n'était pas un refuge où se cachent les antivalets, où se cachent les gens qui ont tué des gens, où se cachent les gens qui ont tué Thérèse Kapanga, la Rossi et tout consort. Donc, partout dans le monde entier, na ko senga bino pe mingi bwana banda ko landanga mingi pe na basango ya Congo na konti kaka ya ko sale la bino musa bo sabone pe massivement ba onan ba sabone te parce que to yebi ke ba abone pe boza e bele bolandaka bo banda ko landa biso en direct na kadre kaka ko vilipande message na kadre kaka ya ko tali sabino par rapport mboke zo ndenge mboke zo kendele ba te bele on avait négligé le président où est parti le langage que c'est ya Kabila qui dirige. Où est parti ce langage? On n'en parle plus, hein? Parce que hier, Babenga président marionnette, Pantin, président protocolaire, nous avons trois présidents. C'est Kabila qui dirige, mais aujourd'hui, a commis dictateur. On ne joue pas avec l'enfant de Sphinx de l'humanité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Eli, mille fois Mokondi, parce que pouvoir, Babota Maranango. On a tous vu en 2016 président à rassemblement et opposition. 2017, président de l'UDPS. 2018, président de la République. 2019, deuxième vice-président de l'Union africaine. 2020, premier vice-président de l'Union africaine. Puis 2021, il serait le président de l'Union africaine. Donc, bobete la mongo. Parce que la mission, le rôle d'un parti politique, c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Vous allez payer toutes les conséquences. Il y a un moment où Mbilinga mbilinga côté le bango Claude Machala a te koluka Jean-Marc Kabounde. Combien de fois on ira Kabounde? Que non, c'est un combattant, il n'a pas étudié. Mais on vous a appris la politique. On vous a appris la politique. La majorité a changé de camp. Parce que tu as regardé ma propos et à bateau, le bique, l'IDPS a débauché des députés, l'IDPS a injecté bon. Comment est-ce qu'on peut injecter l'argent tandis que la gestion financière à 85% est dans ma boucle à bateau FCC? Ce que vous avez tenu à propos, c'est la sorcellerie inconsciente. Parce que vous avez un message qui est Kanyaka, un message qui est Moïbi, un message qui est débauché. Combien de fois Kabila a débauché les partis politiques dans ce pays? Parce que Kabila a débauché les palous. Maintenant, le problème avec nos fameux partenaires à FCC, ils pensaient avaler l'IDPS. L'IDPS est une machine politique. Il nous sous-estimait, c'est le problème. Combien de fois Kabila a débauché l'IDPS? Parce que le lobo PES a mis son PV à transférer à Bruno Tshibala. PV à transférer à Sami Badibang. Kabila n'a pas respecté les accords dans ce pays. L'accord avec le Palou. Accord à Senko. Ma concertation, il y a quand même beaucoup. Parce que Kabila, comme il y a tout comme on a l'élection, a créé dialogue. A créé accord. Pourquoi on avait arrêté Franck Dion dans ce pays? C'est parce que FCK est un truc que Kabila ne va pas respecter cet accord de la CENCO. Effectivement, Kabila n'avait pas respecté. Quel est le délai pour organiser l'élection? Mais qui va maintenant nous dire qu'on viole la Constitution? Parce que la Constitution confie à un président de la République des mandats de 10 ans. Mais Kabila fait 18 ans. Est-ce qu'ils ont respecté la Constitution? Kabila n'a pas matérialisé l'article 43 et puis gratuité et enseignement. Kabila n'a pas de partager les richesses équitablement. Dans ces pays, il y a beaucoup de riches au détriment de 80 millions d'habitants. Mais on croit que parce qu'on dit que Kabila n'a pas, en oubliant que Kabila est venu dans ces pays avec des babouches et des bottes. Maman Olive, on a créé la famille Namboka pour instrumentaliser Rabatouba qui va tirer les binômes l'os aux obéties les Mboko. Mbongo na yo, Mbongo va contrôler les Congolais.
kaka ndenge na lobaka ke non la responsabilité pénale est individuelle pour qu'on réponde na ba acte na bino parce que coalition ba ndeko bomba bino muke yango bonga ki ke kufate et c'est kufi. On avait coalisé pour l'intérêt général de la population congolaise. On n'avait pas coalisé pour les intérêts des individus ou soit pour les intérêts des partisans. Parce que nous, notre vision, c'était le peuple d'abord et leur vision, c'était l'autorité morale d'abord. On ne comprend pas. Kabila rendit des professeurs pour des fous dans ces pays. Il y a des professeurs inconscients. Au bazo maîtriser bilo ko bazo lobaté, il y a déjà au bazo au détriment et il y a 80 millions d'habitants et au travail il y a bénéfique il y a mutu moko, c'est la honte. Boko mesana boko yoka boko kangaman des ordres le LOS, on ne parle plus jamais du FCC, on ne parlera plus jamais du FCC. Et puis l'histoire retiendra que c'est à l'avènement il y a Fatih au pouvoir qu'on avait déboulonné un système implanté pendant 20 ans avec le silo et la feuille. Donc c'est la victoire du cerveau à la place du muscle. Comment est-ce qu'un président qui a été traité madame marionnette, mais il a néanti sans moindre crépitement de balles, un système implanté pendant autant de années. Donc, Bayimbo Kanyoso, d'abord déjà, maman Olive, il faut qu'il ne corresponde à la Bukavu, dans le dossier, on a, elle a été citée 6 fois. Il y a un parti civil de 5 comparitions, c'est une citoyenne simple, le col à Ngaï Nayo. Moutoko Sala, Moutou Krent, le Soussois, Namboko Azate. On a vu le directeur du cabinet du chef d'État bâtir la campagne avec le président aux arrêts. On a vu le coordonnateur de la chance de la lutte contre la corruption aux arrêts. On a vu le ministre, le commandant de la garde républicaine, des ambassadeurs, des gouverneurs à banque et tout comme ça, devant la barre. Beaucoup sentir, beaucoup messana. Parce que bientôt, déjà, dans le moment où Kabila, c'est Atikamouk, à Kouzonga, tu dois quitter ce pays. Kabila nous a tué. Un étranger qui est venu de Tanzanie, Rwanda, tout comme ça, n'a pas connotation. Tu nous as tué, tu nous as emprisonné. Aujourd'hui, Kabila a beaucoup d'argent sur tous les secteurs économiques Yamboka. Plus de 136 concessions minières, des entreprises, des banques, des hôtels, et de tout. Kabila a un secteur économique, dans le transport, dans la société minière, dans la société aérienne, la société fluviale, Nyonso Yamboka. Tu dois laisser cet argent dans ces pays. Pourquoi? Parce que ils ont l'argent pour contribuer avec les Congolais. Mboka ou Isala qui a binoté, vous avez quitté le pouvoir. Parce que si vous étiez fort, vous n'avez pas quitté le pouvoir. Kabila allait nous. Pourquoi tu n'as pas imposé Chadari? Un inconscient, une personne maudite par Maman Olive. Chadari. Il ne sait pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, il est traité d'un incompétent. De l'incompétence notoire. Babé Bani, il y a comme il y a toujours un ennemi. Na Chadari, il y a un coordinateur. C'est pourquoi? Parce qu'il nous a mené d'échec en échec. Vous nous sous-estimez. Vous nous pensez. Vous pensez à valer l'UDPS. L'UDPS, c'est une machine politique. L'UDPS, c'est un parti à population congolaise. Quand on parle de l'UDPS, on voit la popularité. On voit la population congolaise. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force de notre président, c'est la population congolaise. C'est la majorité populaire. Ce n'est pas la majorité au besoin qui en conscience. Aujourd'hui, nos députés ont bravé la paire. Hein? Rien à voir avec la corruption. Bah, député, bah, bravé paire. Bah imboka nyoso parce que bah député bah côté na histoire bah 13 parlementaires oh bah témela ka maréchal Mobutu à l'époque ils ont bravé la paix, la majorité a basculé, la majorité ne se concentre pas, la majorité la majorité ne se proclame pas, la majorité se concentre après les votes bokoyoka plus de 300 quelques députés na union sacrée. Et c'est pour cela que le président avait demandé à nos députés de corriger les erreurs du passé. Enfin, il y a quoi derrière l'Union sacrée, la vision à Mokonzamboka. Parce que cette coalition a échoué à prouver ses limites. Enfin, de donner le social au peuple congolais. Premier ministre démissionne. Démissionne avant de frapper dans un missile non conventionnel. Parce que tout le monde a qui déjà loco. Janine Mabunda Zouaké. Aujourd'hui, Janine Mabunda doit aller aussi saisir le Conseil d'État. Bilo quoi reposer jamais à Kabound. Mais qu'est-ce que les règlements d'ordre intérieur? Les règlements intérieurs, il y a. Ensemble, dans le Zoloba. Une personne, on a déjà destitué un bureau, elle perd tout son pouvoir à saisir l'instance. En droit parlementaire congolais, c'est maintenant le bureau d'âge. Nde, et comme même on a session extraordinaire, enfin, à convoquer, à créer, et à implanter le bureau définitif, il y a Sika. Et puis, il y a vidé pétition et examen, il y a bureau Mubimbawana. C'est pour ça que vous avez vu, quand on a saisi la cour constitutionnelle, le bureau d'âge a maintenant le plein pouvoir, il y a comme Mabango, il y a bureau Moussous, et puis il y a Covidé, examen à pétition, il y a bureau Moussous, et autres Koukouya.
Parce que ce qui n'est pas interdit dans le droit, ce qui n'est pas interdit est permis dans le droit positif. Na bato ba maîtrise ça bien ba texte local biso parce que on nous a sous-estimé en pensant en disant qu'à l'IDPS il y a pas de gens qui ont étudié. Non. Les habi loko ya lokuta. Bato ba tangi ba memi mboka wapi 18 ans. Kabila était entouré par des professeurs excellents de génie tout consort des techniciens mais batiki mboka wapi. Batiki mboka wapi. Les problèmes qui manquaient tous les présents dans Mboko, c'était la volonté politique. Maintenant, tu as un président Oyo, azana volonté politique qui a conservé Mboka naye. Volonté politique où s'est martyrisé, n'a co-instauré un véritable état de droit, n'a quatre tu as pilé une justice indépendante, la gratuité de l'enseignement, la liberté d'expression où est quatrième pouvoir de tous à là. À l'époque, si on fait des émissions, Obimil Banda tué aux arrêts. On sait ce que Kalev a fait, c'est pour cela que l'Union européenne, on a cité 11 personnalités. Il faut répondre aux deuxième justice en 2021 en février. Kalev Mutombe, général Kanyama. Ba Chadari, ba Leximou Popa, ils sont nombreux, liste des Amoulaï. Il y a eu plus de 700 crimes imprescriptibles dans ce pays. 12 millions de Congolais tués, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité. Merci beaucoup, Namokonza Mboka, parce que na dimanche, il y a discours, il y a Kokata Coalition, il y a la communauté, après il y a la communauté internationale, il y a les Nations Unies à faire pour soutenir le tribunal pénal international. Vous allez répondre à vos actes. Vous allez répondre à vos actes dans ces pays. Toutes nos frontières sont sécurisées. On va traquer tous ces gens-là, tous ces invités au côté de Bissot Nambo qu'on a avait en Rwanda. Nous sommes au courant. Ne pensez pas que l'on monte sur échappé Bissot. Donc, Baïmboka Nyoso, Baïmboka, tous à la serein. Parce que le Jésus-Christ que vous voyez, vous avez un peu de sous-souté. L'IDPS fera 370 ans à pouvoir tenir la régularité. Zakanda parce que Mboka, le Koufaki, Tangou Moulaï. On nous a empêché la liberté d'expression depuis l'opposition. Parce qu'il y a aussi des gens comme nous qui peuvent donner aussi des lignes de directives Open Mboka et Kokozoa. Mais lobby, il n'y avait pas le cas. Demain, pour être ministre, tout comme ça, il faut se battre tout comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on enquête même la présidence de la République. On arrête même déjà la présidente, des conseillers à la présidente aux arrêts. Mais on sait ce que Bato entouré qui Kabila. La liste est longue. Beaucoup répondre. À bientôt, maman, il va vous appeler devant justice na Bukavu. Pour la concession, la carte sa concession est militaire, bon, ma qui moutou mon koana. Bah, il y a un téléphone. Tant que Bakani militaire, c'est maman livre qui finançait aussi les tueries. Na ba spoliation, ya concession ana. Donc, il faut comparer les calabas. Na mobali nae. Mboka lengi ka ndenge to lobaka ba imboka nyoso. Donc ba diaspora na biso nyoso o baza se o baza na posa de l'ivonse ya mboka o baza na posa mboke longwa na makambo salaki mboke zo ela mususu mboke zo mupepe ya sika. Yango moni fati beton volcan le bulldozer politique parce que FCC ba perdre pédale politique. Yango moni tamama malobi avant que tu pétition réception pétition ya na redémissionner. Toi, tu penses que si tu dis comme ça, on répond de te. Nous sommes au courant qu'on a tiré Katumba moi qui n'a kinga kati bazwa avion ba sacrifier batou pour dire qu'il y a vieux salaire à cash. Et ça, le kouta. On a tiré ba Mamadou, ba conseiller Kabila, ba Boma, ba on a ba kinga kati. Nous sommes au courant de tout. Rien ne nous échappe. Dieu va nous protéger pour tout. Dès nous, Saraka Makamoué. Parce que Nébike, bon, le cabot tente biso, mais Ndjambo pèse biso courage. Parce qu'il faut que la paix quitte nos esprits pour te servir au tout ça, la moussala. Bon, si les services sont opposés, bon, si les services sont opposés, c'est parce que aujourd'hui, la personne qui est au sommet de l'État, c'est un dune fils du pays. C'est un président qui est connu de son père et de sa mère. Et rien d'autre que Bato, il y a un théâtre politique, l'amateurisme politique. Bato, bah, Martin Fouel, un étranger, un Sénégalais, un Camerounais, des gens qui ne maîtrisent rien, les alliés véritables de FCC Mouzi Touna Fayoul. Yango Moni Lelo, garder position Moko. Ne pensez pas qu'il fallait qu'on soit présent dans Mboko. Qui a travaillé en Genève? Mboui Saloba, qui a? Où est parti Batouando Benga Fati? Oh non, c'est une marionnette, c'est Kabila qui dit. Où est parti ce langage-là? On ne joue pas avec un président de la République. Tozela accord. Côté autant, on va signer qu'accord, il y avait des généraux 5. Il y avait l'Afrique du Sud. Il y avait pays O. Et il y avait Oni. Mais si le loi accord en autant, on dit, mais la nani, côté Shadago, Nazala qui n'a Moko. On va croire à qui? Boko yoka, boko mesana, vous allez payer les pots cassés. Parce que, tu commis déjà dans le méchant mabé,
Batu nyoso baza pe na posé ya vérification makam sou soloba. Nous sommes les communicateurs de vérification, je suis le procureur général pour le peuple de l'UDPS. Donc mon numéro est +243 84 101 32 09. +243 84 101 32 09. Donc ce que vous bengi biso, vous comeli biso, vous tuni biso, vous comprenez makam sou peto soloba. Donc merci beaucoup parce que mboka est bien sécurisé, mboka ba service de sécurité ba panzani ba ko brique ba ko kanga ba tunyoso. Merci beaucoup parce que l'assemblée provinciale peut pétition so signé pour Golden Boy Nangobila ko ya, ce sont les avances, ce sont les expressions démocratiques, il y a pas une crise au Congo. Ba to ba libiso ba crise wana za mambolo kuta. Donc bolandanga na sangu ya Congo, le temps nous fait défaut, to banda ko leka chaque fois quand il y aura aussi des informations to banda ko tel sabino 42 bon zokine. Donc on a répété sous mon numéro +243 84 101 32 09, +243 84 101 32 09. Donc sans oublier ton père Simboté, à mon père, papa mon vieux papa Sam na kasi à New York, et maman Régine P na maman Albertine na Paris Oloua, sans oublier maman Angèle Makangu na kati ya Paris, et puis mon frère Jean Espoir Kaningele na kati ya Lubumbashi, ba combattant nyonso ba diaspora nyonso tous à la série tout soutenir mokonza mboka. Sans oublier aussi mon frère Guilain Pembele na kati Angola, merci beaucoup bola na bino bosa bola na biso bosa abonné massivement, que le bon Dieu et garde notre président de la République, il bénisse la République démocratique du Congo. Je dis, je vous remercie. Tout le monde est là. Conteneur Yamoto Dosala a dit l'ondolé Feli. Ah, mon sengo Feli. Dosala conteneur. Ma voiture, tout le monde est là. Ma carton et en plus la bonne chose voiture na yo quand on a accès à te te prends pas la tête hier la mission chargé bilo qu'on a yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti. Donc, bonjour, vraiment contact, bah, numéro, ils allaient défiler, bon, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient car la semaine, oh, donc, bah, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y en a 3 cartons, moi, que j'allais au Feli, et Kei, bah, kilo, bah, j'allais qu'on comptait, vraiment, bonjour, contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça, les locaux, qu'on aide, dès tout le monde, chinois, dès que bah, vraiment, ils allaient, ma lame ou ming.